C'est toi, hein? C'est mon vieux, non? Ah, d'accord. Ok. Non, je ne vais pas trop parler parce que je ne veux pas que tu y aies. Tu as beaucoup parlé. C'était une façon de parler autre. C'est pour te dire. Tu as parlé, nous tous, on a compris. Et on découvre que tu as tes raisons. Et nous respectons tes raisons. Mais j'ai une question à te poser. Tu as dit dans ton live que tu connais Eva Bouquet-Tartine depuis quand, depuis quelle année? Depuis 2013-2014, je pense. Donc, tu connais Eva Beauté Tactile avant ma bio, mais tu connais ma bio avant Beauté, Eva Beauté. En tout cas, je connais Eva Beauté Tactile il y a longtemps. Il n'y a pas même de retour dans le discours de quelqu'un. C'est Eva qui connaît. Est-ce que Eva Beauté Tactile est une personne avec un mauvais fond qui peut comploter contre quelqu'un qui est dans le problème? Non, je pense pas. C'est pas possible. Je pense pas. Mais ce que moi je sais, c'est que la petite même là, elle est, je pense qu'elle est assez manipulée, influençable, donc elle est grave dans la discrétion. C'est quelqu'un qui gère ce truc dans la discrétion. Moi, dans mon live, moi, je tenais à rectifier quelque chose. Depuis, par rapport à ce qui s'est passé hier, je tenais à rectifier quelque chose. Je suis monté dans le live, j'ai pas dit le nom du gars de Eva, parce que déjà, c'est quelqu'un que moi je respecte. Et c'est dans quelles conditions je l'ai rencontré. J'ai tenté de gérer un business très important de ma vie. Et puis, je me suis retrouvé dans un bureau avec un monsieur, avec un jeune. Comme ils ont été racontés que c'est un vieux, avec un jeune, il était assis. Il est parlé avec le gars, c'est bien entendu, on a sympathisé bien et tout. Je pense qu'il a aimé ma tête. Et juste après, moi, je suis parti. C'est lui-même qui a appelé Eva pour dire, Eva, ah, apparemment, lui me connaît, mais moi, je ne le connais pas. Pour lui dire, ah, il y a ton frère là qui était ici, et quand on a causé, on a sympathisé, et puis il est parti à la maison. Maintenant qu'il lui a dit à Eva qu'elle était là-bas, c'est comme ça. Maintenant, Eva m'appelle et maintenant, elle me dit, ah, aujourd'hui, tu étais dans un bureau. Il lui dit, oui. Et puis, elle m'a dit tranquillement, le bureau, j'ai quitté, que c'est mon mari là qui est là. Il a dit, OK. C'est-à-dire que depuis moi, il la connaît. On a traîné ensemble, il était le gars depuis longtemps. Moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, les histoires de venir raconter. Mais pourquoi maintenant, ils vont citer le nom de Kenzo Cash Money dans cette affaire-là? Mais moi, je sais pas. C'est qu'elle suit, c'est déjà là. Je sais pas si les gens sont dans l'émotion ou bien ils souhaitent les embrouiller. Moi, il y a plus, comme je l'ai dit, j'ai déjà appelé tout le monde. J'ai dit que moi, je ne me prononce plus là-dessus parce que déjà, j'ai déjà été confronté à la même situation, cette affaire des prisons et autres là. Il sait comment ça s'est passé. Et puis aujourd'hui, ils sont venus parler de ma maman. Ils sont venus insulter mes enfants. Donc, ils n'ont même pas envie de rentrer dedans. Ceux qui disent que c'est pas ça, c'est que c'est pas ça. C'est que c'est ça, c'est que c'est ça. Mais je n'ai pas entendu assis ici. Je pense que tu es mieux placé pour savoir. Il n'y a absolument rien à dire à quelqu'un. Toi, tu as déjà, tu sais déjà. Moi, je n'ai pas envie de parler. Moi, je sais. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et au niveau de ta maman, comment elle va? Parce que tu dis qu'elle avait pris un choc par rapport à tout ce qu'elle a vu sur les réseaux. Au niveau de sa santé, comment ça va? Non, la vie va mieux parce que puisque qu'on est parti à la maison, on a pu parler rapidement. On a parlé plus avec le vieux. Elle s'est reposée, le temps de parler avec nous 5 minutes. Mais là, je pense qu'aux dernières nouvelles, même ça va. Ça va en tout cas. Ça va. Ok. Elle va bien. D'accord. Maintenant, est-ce que tu me permets une dernière question? Vas-y. Est-ce que ma bio t'a contacté depuis qu'elle a la maca? Moi, personne ne m'a contacté. Tous les accès sont fermés. Il est bloqué tout le monde. Tout ce qui est en rapport avec quelqu'un ou. Quelqu'un même que la personne a salué ou la personne a ri, elle ou. Je suis en rapport seulement avec les gens que je connais. Il évite tout ce qui est en rapport avec. Je suis au courant de rien de cette personne ou bien d'une autre personne. Rien du tout, rien. Je ne suis pas au courant de quelque chose. Il n'y a aucun rapport avec la personne. Rien. La plupart des informations qui sortent venant de la bouche de chameau, sorcière de son état, maudite, née maudite et qui va mourir maudite. La plupart de ces informations-là, tu es convaincu que ça peut venir de qui? Moi, il l'a déjà dit, et puis il n'a pas peur de le dire, même si ça vient dans 8 mois. C'est comme je l'ai dit là, les gens sont dans l'émotion. Moi, j'ai posé une question simple. Il n'a pas affaire à quelqu'un. Moi, il n'a pas affaire à quelqu'un. Ils sont allés accuser une certaine fille qui s'appelle Camille, qui est celle qui donne les informations. Si c'est elle qui donne les informations, d'accord. Donc, c'est la même aussi qui donne les informations à un petit qui est venu faire live avec ses dreux d'hier. Ceux qui font live avec les dreux pour venir parler là, ce sont les mêmes que les assistants, prison là-bas. Hein. Donc, c'est lui-même qui est allé en prison. Pas vraiment jouer les bêtes du tout. Hein. Parce que d'une part. Voilà, ils n'ont qu'à rester dans les émotions. Genre, c'est la même Camille qui vient causer avec le jeune agent. Eux, ils sont amis. Eux, ils se connaissent. Il n'y a aucun rapport entre eux.
Vieux, tu connais dans les concernés, rentre dans les DM. Moi, je suis pas dans le tapage. Si je veux des preuves, tu veux des ce qu'il dit, il peut passer à ton bureau, il vient te montrer. C'est pas dans les trucs d'internet, là. Ici, là, il est pas venu faire la bagarre, venir montrer ma vie privée. Ici, il est venu pour danser. Et donc, quand c'est correcté, c'est les pas de danse. C'est mieux.